pedo purito. Me gusta. Pedo purito. Me gusta. Pedo purito. Me gusta. Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'actualité de Star Citizen. Cette semaine, nous commencerons bien évidemment par l'information la plus importante de ces 10 dernières années. Le gagnant des élections au poste d'impérator. Leila Di Addison a gagné haut la main et nous sommes heureux d'avoir soutenu tout au long de l'élection ce candidat en lequel nous avons toujours eu confiance pour mener l'Empire dans la bonne direction. Son discours poignant nous rappelle à quel point elle est faite pour ce poste et que son projet pourra offrir le meilleur pour l'avenir de l'Empire. Nous espérons que notre impartialité vous a permis de faire le bon choix sur un sujet aussi important que celui-ci. Passons maintenant aux informations de la semaine. Cette semaine a été publiée la biographie du créateur de l'entreprise Talon, Taizé Jessop. Créée durant la Seconde Guerre Tevarine, l'entreprise profita d'un trou dans la législation pour armer tous les civils de la galaxie, afin qu'ils puissent se défendre contre l'attaque des convois. Cette tactique s'avéra payante pour l'entreprise, puisqu'une fois la guerre terminée, le gouvernement ne pouvait plus revenir en arrière pour interdire les armements. Les armements civils furent donc autorisés pour des questions de sécurité, ce qui arrangea d'ailleurs plus tard l'amiral Bishop. Jeudi, Aegis a présenté sa toute nouvelle interface. Nous ne savons pas pour l'instant quand est-ce qu'elle sera déployée, mais il est certain que les autres constructeurs répondront très vite afin de proposer les mêmes améliorations. Lors de ce changement, Aegis en profitera pour intégrer un outil depuis très longtemps demandé et qui, bizarrement, n'avait jamais été installé, une boussole. Suite à de nombreuses requêtes de syndicats d'ingénieurs et par souci de transparence, les constructeurs ont décidé de rendre publics les schémas énergétiques de leurs vaisseaux. Cela permettra aux ingénieurs de se former a priori et de ne plus avoir besoin d'apprendre sur le tas une fois à bord du vaisseau. Vendredi, un scientifique du gouvernement a pris de court l'ensemble des médias en annonçant qu'il travaillait sur un système de clonage et de transfert d'esprit. En effet, le gouvernement n'avait jamais annoncé vouloir aller dans ce sens. Il n'y a d'ailleurs pas eu d'annonce officielle laissant présager de travaux allant dans une telle direction. Il est donc surprenant d'apprendre cela au détour d'une interview, et il va sans dire que cela va bouleverser toute l'organisation de la société, puisque les hôpitaux devront s'équiper de matériel spécifique permettant l'utilisation d'une telle technologie. Nous ne savons pas quand ce système sera prêt, mais il soulève déjà de nombreuses questions, comme le fait que les cadavres ne seront désormais plus ramassés et seront donc vulnérables aux dégradations et aux intempéries. Bonne nouvelle pour les propriétaires de Mercury. Crusader a annoncé cette semaine que le vaisseau était en phase de finition. Nous n'avons toujours pas de date à vous offrir, mais sa sortie est imminente. Pile à temps pour l'Aero Expo qui se déroulera cette année à New Babbage du 20 novembre au 2 décembre. Pour faire face à l'augmentation constante des violences au sein du système, les agents de sécurité ont été formés à diverses tactiques de combat. Ils seront désormais capables d'intercepter des torpilles ou des missiles et de mieux collaborer pour éliminer une cible. De plus, les stations Rest and Relax ont fait l'acquisition d'Idris pour parer à d'éventuelles attaques. Ces vaisseaux devraient être livrés d'ici la fin de l'année. Pour finir dans une ambiance un peu plus festive, dans le cadre de son programme de parrainage, l'entreprise RSI vous offrira le mois prochain un petit pistolet lanceur de fléchettes en mousse, idéal pour s'entraîner à devenir un futur marine. Et voilà pour les informations de la semaine. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Galactic News. Bisous des étoiles.